à tous. Bienvenue pour ce temps de culte. Après cette musique triste de circonstances, nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu, merci parce que nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, quelles que soient les circonstances. Que nous ayons passé une bonne semaine ou au contraire, que cette semaine ait été remplie d'inquiétudes et de choses difficiles à vivre. Nous voulons maintenant venir à toi et nous laisser remplir par ton esprit. Nous laisser remplir de paix, nous laisser remplir de joie, car tu as dit que tu changerais le deuil en allégresse. Merci parce que tu es solide. Nous pouvons nous appuyer sur toi, nous pouvons compter sur toi pour notre vie, jour après jour. Et nous venons maintenant à toi, nous nous unissons ensemble d'un même esprit pour te louer, pour te célébrer. Car malgré les circonstances douloureuses de ces derniers temps, tu restes le maître et tu restes rempli de générosité et de bonté pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons vécu effectivement des temps difficiles et ces temps difficiles vont encore se poursuivre. J'espère néanmoins que nous allons pouvoir ensemble célébrer, louer le Seigneur en ce dimanche des rameaux. N'oublions pas que le dimanche des rameaux, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem sur un âne, acclamé par les cris de joie de la foule. Nous aussi, dans ces temps qui sont difficiles, nous voulons faire ce sacrifice de louange et célébrer notre Dieu, car il est bon, car son amour dure à toujours. Et nous allons maintenant entendre un psaume, qui est le psaume 118, qui sera lu en plusieurs parties durant ce culte et qui nous conduira dans la louange. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël, oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron, oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel, oui, son amour durera toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour n'oubliera jamais, car il est bon et il est au-dessus de tout, son amour n'oubliera jamais. Chantons louange, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Nous le sommes et la bras en deux, son amour de la jamais, il nous donne la vie nouvelle, son amour de la jamais. Thank you.
Alors, peut-être qu'il y a des enfants autour de vous, et je voudrais vous poser une question, les enfants. Je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez un cri de joie? Alors, si vous connaissez un cri de joie, faites-le maintenant. Super! Génial! Youpi! Eh bien, à l'époque, peut-être que vous ne le saviez pas, mais à l'époque, il y avait un cri de joie. Et ce cri de joie, c'était « Hosanna !» Et c'est ce que la foule a crié quand Jésus est rentré sur un âne à Jérusalem. En fait, ce mot « Hosanna » vient de l'hébreu, qui veut dire « Sauve donc !»« Hoshiyana !»« Sauve donc !» Et au fil du temps, c'est devenu un cri de joie. L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens autour. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'enserraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Vers toi, vers toi,
de joie éclatent des cris de délivrance dans les tentes des justes. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi donc les portes du salut pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici que la porte qui mène à l'Éternel, les justes passeront par elle. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé, c'est toi qui m'as sauvé. Est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Vous avez remarqué? Juste avant la mention « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et l'exhortation à prendre des rameaux pour célébrer l'Éternel, nous avions cette expression « Accorde donc le salut, Hoshia na » au verset 25 du psaume 118. Le psaume 118 est un psaume capital, c'est celui aussi qui mentionne la pierre angulaire, Jésus-Christ, sur qui est fondée notre foi. Peut-être vous le savez aussi, mais ce psaume 118 est intéressant à un autre titre encore. C'est le chapitre central de la Bible, du moins dans l'ordre des livres bibliques que nous avons aujourd'hui. Et il se situe entre le chapitre le plus court, le psaume 117,
et le chapitre le plus long, le psaume 119. Ainsi, le psaume 118, qui est central dans notre Bible, contient cette mention de la pierre angulaire Jésus-Christ et également ce cri de louange, accorde le salut, Hoshiana, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous allons maintenant à présent lire le récit des rameaux dans l'évangile de Luc. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partir et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du Mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, » disait-il, « paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus, « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Je suis quel animal? Vous m'avez reconnu? Je suis un âne. C'est ça. Vous m'avez tout de suite reconnu, j'en suis sûr. Vous savez, je ne suis pas un animal très apprécié. Certains disent que je suis un animal impur. D'autres que je suis bête, comme un âne. Et maintenant, je suis un vieil âne, tout gris. Je ne vous dis pas qu'avec tout cela, ce n'est pas évident de vivre bien. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même fait ma vie. Et surtout, j'ai rencontré une personne extraordinaire. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Un jour, alors qu'il faisait très chaud, j'ai décidé de passer un petit moment tranquille à l'ombre d'un arbre. À peine quelques minutes bien paisibles, seul avec mon arbre, un petit homme est arrivé. Il est passé devant moi, pas un bonjour, rien. En fait, il s'intéressait à mon arbre. Il a grimpé dessus. Je l'aurais bien porté sur mon dos pour l'aider à monter dans l'arbre, mais vous pensez bien, personne ne voulait de moi. Lorsque j'ai levé la tête, c'est là que j'ai compris. Il y avait une foule de gens qui écoutaient un homme parler. J'ai alors dressé mes deux oreilles. Cet homme parlait du royaume de Dieu, si je me souviens bien. Ça avait l'air merveilleux, le royaume de Dieu. J'aimerais tellement y être. Peut-être qu'on s'intéresserait à moi dans ce royaume. Eh bien, vous savez quoi? Cet homme qui s'appelle Jésus s'est approché de moi. Je me disais qu'il avait peut-être besoin de moi. Mais non, encore raté. Il a parlé à Zachée, qui était resté tout ce temps dans l'arbre. « Zachée, descends, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Décidément, il n'y en a que pour les autres. Il n'y en a que pour les autres. Toujours seul, je suis alors retourné chez mon maître. Il me donne de l'eau à boire et du grain pour manger, et en échange de cela, je lui porte des affaires d'un endroit à l'autre de Jérusalem. Un jour, j'ai même livré deux sœurs qui préparaient un repas. Enfin, il n'y en a qu'une qui travaillait vraiment. L'autre était assise près de Jésus. Encore une fois, j'ai dressé mes oreilles pour entendre. J'ai cru entendre les paroles suivantes. « Marthe, tu t'agites
pour peu de choses. Il n'y a qu'une chose importante, et ta sœur a choisi la meilleure part. Visiblement, cette histoire ne me concerne pas non plus. Quoique, en y réfléchissant, je me suis dit que je pourrais peut-être moi aussi, un jour, passer un moment avec Jésus. Mais comment faire? Osera-t-il me toucher, moi qui suis considéré comme un animal impur? Le temps passait, et j'avoue que je désespérais un peu. Mais un jour, vous savez quoi? Des gens sont venus chercher ma fille dans la cour de mon propriétaire, en prétextant que le maître a besoin d'elle. Ma fille n'est encore qu'une enfant, qui donc peut bien avoir besoin d'elle? Je me suis alors décidé, en bon papa âne, de suivre ma fille. Il ne faudrait surtout pas qu'il lui arrive quelque chose en chemin. Mais qui pouvait bien avoir besoin d'elle et pourquoi faire? J'étais impatient de voir ce qui l'attendait. Eh bien, chose incroyable, les gens ont conduit ma fille vers Jésus. Je n'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles quand j'ai entendu que Jésus allait monter sur son dos pour entrer dans Jérusalem. Courageuse comme une petite ânesse, elle a donc accepté cette tâche avec grand plaisir. Et vous savez quoi? Sur le chemin, les gens l'encourageaient, les gens criaient de joie. Certains avaient même mis leur manteau sur le sol pour que ses jeunes sabots ne s'abîment pas trop. Incroyable cet accueil! En fait, ça n'était pas pour elle ces acclamations, mais pour Jésus qu'elle portait sur son dos. Enfin, on va dire que c'est le duo qu'ils formaient tous les deux qui a été acclamé. En tout cas, j'étais fier de ma fille. Et surtout, cela m'a redonné la joie de vivre. Voir ma fille utile pour le Seigneur était pour moi une immense joie. Je vous invite à présent à un temps de prière que je terminerai. Notre Dieu, lui merci parce que nous pouvons nous appuyer sur ta parole. Viens maintenant éclairer notre esprit, notre intelligence et notre cœur, afin que nous comprenions les trésors et les richesses de ta parole. Merci parce que nous pouvons nous adresser à toi. Merci pour toutes ces prières de louange et d'intercession qui sont montées vers toi. Amen. Bonjour à tous. Je suis contente de vous accueillir un peu chez moi. Imaginons le PDG de PSA présenter fièrement le bilan annuel de son groupe avec ceci. Ou encore, imaginons quelqu'un tout content de nous offrir une belle rose. Ces deux cas sont absurdes, stupides. Nous y reviendrons plus tard. Je vous propose maintenant de rejoindre notre Seigneur la semaine qui a précédé sa crucifixion. Il est entré triomphalement dans Jérusalem quelques jours plus tôt. Mais pour ceux qui ont une place dans la société, il est une gêne, il dérange.
les Juifs sont soumis à l'Empire romain, mais en ce qui concerne les mœurs, le rapport à la Torah et bien d'autres choses, les responsables de la société juive se considèrent comme investis de la mission de maintenir l'ordre des choses tel qu'ils le comprennent. Et ce Jésus les dérange de plus en plus. En effet, sa manière de comprendre les Écritures et sa manière de présenter Dieu sont déroutantes. Elles ne correspondent pas à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre et de dire. Et à cela se rajoute, malheureusement, la jalousie. Mais pour qui se prend-il de venir ainsi avec plein d'idées nouvelles? Alors que se pense investi de la mission de guider le peuple? Les foules le suivent, lui. Il fait des miracles, et beaucoup le considèrent comme venant de Dieu, on ne peut le nier. On ne peut pas l'attaquer sur le plan de sa puissance, elle lui apporte de la légitimité. Mais nous, sommes forts sur le plan intellectuel. Ensemble, nous réfléchissons depuis des années à des sujets complexes. Nous arriverons bien à le coincer et ainsi à le décrédibiliser aux yeux de la foule. Alors nous reprendrons de l'ascendant sur lui et notre place sera respectée. Tour à tour, différents partis, d'habitude en conflit entre eux, viennent voir Jésus. Il est expressément dit que c'est pour le prendre au piège de ses propres paroles. Mais Jésus, non seulement déjoue tous leurs pièges, mais aussi les pousse toujours plus loin dans la réflexion. Dans notre texte, c'est au tour des Sadducéens de tenter de le faire flancher Jésus par ses paroles. Eux non plus n'y arriveront pas. Par la suite, les échanges tendus vont se poursuivre, mais devant leur échec, les responsables du peuple vont passer à l'étape suivante, la violence. Jésus sait ce qui l'attend. En voyageant vers Jérusalem, il a plusieurs fois essayé de prévenir ses disciples de ce qui allait lui arriver. Jésus ne va pas subir le cours des événements. Il se donne, il se livre librement. Jésus sait que ses interlocuteurs vont bientôt le faire mourir. Son sacrifice prochain est forcément pour lui, en arrière-plan de tout ce qu'il vit cette semaine. Venons-en à notre texte. Marc, chapitre 12, verset 18. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Les commentateurs nous apprennent que les Sadducéens étaient issus de l'aristocratie et avaient de bonnes relations avec les Romains. Ils s'accommodaient de la situation de pays occupé. Ils savaient composer avec la réalité. Ils se considéraient probablement comme ayant les pieds sur terre. Oui, ils étaient juifs et donc croyants, confessant le Dieu d'Israël. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. La résurrection des morts, quand même. Soyons réalistes. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un mort ressuscité? On voit bien tous que la mort, c'est définitif. On n'est pas des exaltés, on a les pieds sur terre. Les Sadducéens ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme. Nous arrive-t-il de leur ressembler? Alors pas en niant la résurrection, mais en nous considérant comme plus intelligents que d'autres, parce que nous sommes réalistes, plus perspicaces parce que nous sommes concrets. Tant mieux si ce n'est pas notre cas. Les Sadducéens vont présenter à Jésus un argument qui, à leurs yeux, légitime leur position. Ils sont sûrs d'eux. Je continue la lecture. Ils lui demandèrent, « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme, mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Il est vrai que dans l'ancienne alliance, l'espérance en la résurrection n'était pas mise en avant autant que dans la nouvelle.
Avoir une descendance était donc important pour perpétuer son nom, comme c'était aussi le cas dans les autres nations à ce moment-là. Je continue la lecture. Or, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort, sans laisser de descendants. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé lui aussi, sans avoir eu de descendants. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse. Les Sadducéens se présentent d'abord comme respectueux de la parole de Dieu dans ses écrits, Moïse. Puis ils exposent leur cas qui est extrême. La question aurait été la même avec seulement 2 frères. Tu vois bien, Jésus, si on écoute Moïse, la perspective de la résurrection est stupide. Une femme ne peut pas avoir 7 maris. Qu'as-tu à répondre à cela? La réponse de Jésus se fera en 3 temps. Tout d'abord, il va les secouer. Ensuite, il va répondre au cas qu'il présente, et qui en fait est un prétexte. Et enfin, il va contrer leur thèse principale, qui est la résurrection n'existe pas. Dans les 3 temps de sa réponse, Jésus veut les amener plus loin. Il va les enseigner, les ébranler dans leur certitude. Pas pour le plaisir de les coincer ou de les secouer, mais pour les faire avancer. 2 fois, Jésus va dire qu'ils sont dans l'erreur, pour qu'ils changent, pour qu'ils se tournent vers la vérité. Un peu plus tard, toujours dans cette même semaine, Jésus va pleurer sur Jérusalem parce que ses habitants ont refusé de croire en lui. Jésus ne veut pas avoir raison pour avoir raison. Il veut changer les choses en profondeur chez ses interlocuteurs. Moi, je trouve qu'on peut être qu'admiratif devant cette capacité qu'a notre maître de discerner l'essentiel derrière ce que les gens amènent. En allant en profondeur, en allant à l'essentiel, Jésus montre son amour. Il prend les gens là où ils en sont, pour les amener un pas plus loin. Un pas plus loin à partir de là où ils en sont. Il fait de même avec nous. Si nous acceptons de sortir de notre zone de confort pour nous laisser interpeller par lui. Une autre application de ce point, c'est que nous sommes invités à l'imiter. Quand nous discutons avec une personne, d'un sujet ou d'un autre, avec un ami, apprenons à discerner les vrais besoins, les vraies questions de notre interlocuteur. Dieu peut nous accorder la sagesse, le cadeau de pouvoir faire avancer cette personne. Demandons-lui de ne pas rester superficiel, de nous apprendre à ne pas rester superficiel. Voyons maintenant la réponse de Jésus. Premier temps. Jésus leur dit « Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. » Jésus est direct, il est franc, il ne flatte pas. Il n'est pas question pour lui de laisser entendre qu'il pourrait être d'accord avec leur conception des choses. Nier la résurrection n'est pas possible pour un croyant. Peut-être hésitons-nous à parler aussi franchement? C'est mon cas et je ne suis pas un modèle. Peut-être avons-nous à réfléchir aux situations où nous avons à dire ce que nous croyons, ne pas être timide. Vous ne connaissez pas les Écritures, mais pourtant ils étaient juifs. Je suis sûre que si on leur avait demandé de citer Deutéronome 6, ce qu'on appelle le Shema Israël, écoute Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Deutéronome 6, c'était un peu comme Jean 3,16 pour nous. Mais voilà ce qu'ils avaient fait. Ils avaient sélectionné dans la parole de Dieu ce qui leur semblait acceptable et laissaient de côté le reste. Les commentaires nous apprennent que les Sadducéens n'acceptaient que les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse, et laissaient le reste de côté. Dans nos habitudes de lecture, est-ce qu'il nous arrive de nous dire « ça, je laisse de côté, ce texte n'est pas pour moi » Est-ce que nous faisons des sélections dans le livre que notre Dieu nous a écrit? Ne faisons pas la même erreur que les Sadducéens. Apprenons à lire la Bible dans son entier. Alors oui, parfois, peut-être même souvent, des versets isolés peuvent nous faire du bien. Des versets isolés peuvent toucher juste. Mais le fait de nous nourrir uniquement par petites touches conduira immanquablement à des manques. Notre régime biblique sera carencé. Nous manquerons de nourriture essentielle. Ce n'est pas anodin de ne pas connaître sa Bible et de ne savoir que vaguement ce qui est dedans. Ce n'est pas anodin. Dieu s'adresse à nous par la Bible dans son entier. Ayons faim de toute la nourriture qu'il a prévue pour nous. Vous êtes dans l'erreur et en voici la raison, vous ne connaissez pas les Écritures. Il y a une autre manière de ne pas connaître la Bible. C'est de savoir à peu près ce qu'il y a dedans, mais sans en saisir la vraie portée, la profondeur. Les Sadducéens avaient une idée de Dieu superficielle. Ils croyaient connaître les écrits de Moïse, mais ils n'avaient pas saisi quel Dieu y a dépeint. Qu'on se souvienne de sa direction des événements, par exemple dans la vie de Joseph. Qu'on se souvienne de sa puissance, développée de manière spectaculaire maintes et maintes fois, lors de la sortie du peuple d'Égypte et ensuite dans le désert. Qu'on se rappelle la sollicitude de Dieu qui a pris soin de son peuple dans le désert. Les Sadducéens connaissaient ces histoires, mais elles ne nourrissaient pas leur quotidien. Elles ne leur permettaient pas ou plus de comprendre qui est Dieu, de s'approcher de lui dans la confiance et dans l'adoration. Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Les Sadducéens n'étaient pas capables d'imaginer que Dieu peut faire des choses qui dépassent nos 5 sens, qui dépassent ce que notre sens commun peut appréhender. La Bible commence avec 2 récits de la création du monde. Le Dieu, créateur de l'univers, ne serait pas capable de redonner vie à des personnes ou à un monde qu'il a lui-même façonné à partir de rien? Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous ne croyez pas à la résurrection. Passons maintenant à la deuxième partie de la réponse. Jésus, il lève un voile sur la question de l'éternité. Parce que si les Sadducéens cherchent à piéger Jésus, la question en elle-même reste légitime. Quand une personne a eu plusieurs conjoints pendant sa vie, que se passe-t-il dans l'au-delà? Une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges dans le ciel. Jésus explique que nous vivrons alors une autre dimension que ce que nous connaissons sur cette terre. La question portait sur la perpétuation du nom d'une personne décédée. Puisque dans l'au-delà la vie sera éternelle, plus besoin de perpétuer son nom par une descendance. J'ouvre une petite parenthèse qui me paraît importante. Ici-bas, le mariage n'a pas pour seul but la procréation. La belle relation entre un homme et une femme, reconnue devant la société, est légitime pour elle-même, en dehors du fait d'avoir des enfants. Les enfants sont un cadeau en plus que Dieu fait au couple. Je ferme la parenthèse. Ce que nous apprend Jésus, c'est que dans l'au-delà, il n'y aura plus de relation exclusive entre un homme et une femme. Les relations seront différentes, seront autres.
Mais pas de panique, elles seront belles, elles seront pleines, elles seront épanouies. Il ne manque rien aux anges. Il n'y aura plus de frustration, de sentiment d'incomplétude. Il ne manque rien aux anges. On aimerait bien en savoir un peu plus, mais Jésus ne satisfait pas notre curiosité maintenant. En résumé, la réalité aura des aspects différents que ce que nous connaissons aujourd'hui, mais ne faisons pas comme les Sadducéens. Ne nous perdons pas dans des spéculations sur ce que nous ne savons pas. Troisième partie de la réponse. Mais oui, la résurrection est une évidence. La mort après la vie est une évidence. Une fois de plus, en bon enseignant, Jésus part de là où ils en sont. En effet, il utilise une partie de l'Écriture qu'il reconnaissait comme parole de Dieu. Verset 26. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le contexte du texte cité par Jésus est le suivant. Dieu donne son nom à Moïse. Je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est, c'est un mot qu'on transcrit par Yahweh. Et c'est ici que nous retrouvons nos images de tout à l'heure. Autant il est inimaginable que le PDG de PSA fasse le fier avec une épave, autant jamais un ami ne nous offrira une rose flétrie ou notre conjoint, autant jamais Dieu ne pouvait se présenter à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'ils avaient cessé d'exister. Réfléchissons. Abraham, Isaac et Jacob étaient décédés au moment où Dieu s'est adressé à Moïse. Mais Dieu se présente à Moïse comme celui qui est, c'est-à-dire comme le vivant par excellence. Dans ce contexte, aurait-il pu associer son nom à des cadavres, des momies ou de la poussière? Non, ce n'est pas possible. Le PDG de PSA n'associe pas des épaves à son bilan annuel. Notre Dieu, le vivant, n'associe pas des personnes mortes à son nom. Donc la mort des patriarches n'a pas été la fin de l'existence pour eux. Donc la résurrection n'est pas une absurdité, c'est QFD. Dans cette semaine où Jésus sait qu'il va mourir, il enseigne que Dieu est le Dieu de la vie et que la résurrection ne peut pas être remise en question. Oui, il va mourir. Mais cette mort horrible par laquelle il va payer pour notre péché, cette mort ne sera qu'un passage. Oui, nous connaissons la mort. La période actuelle nous le rappelle fortement. Mais la mort n'est pas la fin. Notre Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu des croyants que nous sommes et des croyants qui nous ont précédés. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens au premier chapitre. Pour moi, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Paul était heureux de vivre sur cette terre ce à quoi le Seigneur l'avait destiné. Cette lettre aux Philippiens est appelée l'épître de la joie. Mais il sait que la mort n'est qu'un passage vers quelque chose de meilleur. Aux chrétiens de Rome, il écrit: j'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Et aux chrétiens de Corinthe: le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Je conclus en rappelant trois points. Jésus termine sa réponse aux Sadducéens par ces mots: vous êtes complètement dans l'erreur. Ne soyons pas comme eux
qui était fier d'être pragmatique, mais qui ne savait pas ou qui ne savait plus se nourrir correctement avec la parole de Dieu. Et par conséquent, ils ne connaissaient plus leur Dieu. Si Dieu nous en donne l'occasion, imitons l'enseignant qu'est Jésus. Apprenons à prendre nos interlocuteurs, nos amis, là où ils en sont, pour les amener plus loin. Je suis émue de voir combien notre Sauveur et Seigneur restait disponible aux sollicitations, à ses interlocuteurs qui lui veulent du mal, quelques jours avant sa mort. Et enfin, ne soyons pas effrayés par la mort. Notre Dieu est plus grand qu'elle, il est le vivant. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Notre Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Et il veut que nous partagions son éternité. Amen. Merci Adeline pour ta prédication. Il me reste maintenant quelques courts instants encore pour vous donner quelques mots d'annonce et conclure ainsi ce culte. Alors vous le savez, le confinement continue. Nos cultes et nos études bibliques restent toujours disponibles sur le site internet. Pour élargir notre horizon aussi aux autres églises de l'association baptiste, le lien fraternel est également disponible en ligne aussi, celui de mars et celui d'avril. Voilà, n'hésitez pas à profiter de ces ressources. Je vais simplement maintenant encore prier pour conclure ce temps de culte et nous envoyer chacun là où nous sommes dans la paix du Seigneur. Notre Dieu, merci pour ta paix parce que tu donnes la paix non pas comme le monde donne, mais tu donnes avec générosité et tu donnes surtout sans reprendre. Seigneur, merci pour cette paix que tu peux déposer dans notre cœur, qu'elle nous accompagne maintenant toute cette semaine et que le malin n'ait pas raison de ton œuvre dans nos vies. Tu veux nous accorder cette paix, elle est la tienne. Toi qui maîtrises toutes choses et tu veux nous la partager. Alors Seigneur, donne-nous d'y goûter dans la semaine qui est devant nous. Amen. Voilà, je vous souhaite encore un bon dimanche et une très bonne semaine à chacun.